Un homme a été retrouvé mort dans une rue de Niort dans la nuit de lundi à mardi. Le corps présentait des traces de violence, ce qui a conduit le parquet de Niort à ouvrir une enquête pour meurtre, comme l'a confirmé le procureur à France Bleu Poitou. Le cadavre a été découvert dans un square devant une barre d'immeubles située rue Jules Siegfried, dans le sud de la ville. À ce stade, l'identité de la victime n'est pas encore connue. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours pour déterminer les causes exactes du décès. L'enquête pour meurtre a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée, DESO, de Poitiers, qui sera en charge des investigations. Il s'agit de la troisième mort violente à Niort en l'espace d'un mois. À la fin du mois de juin, un jeune homme est décédé lors d'une rixe. Au début du mois de juillet, le corps d'une femme démembrée avait été découvert, et son compagnon a depuis été mis en examen.